Hey, salut les amis, bienvenue à tous et à toutes. Aujourd'hui, je suis en compagnie de... Tu dis quoi quand tu te lèves ? Je dis coucou. Ok. Donc aujourd'hui, je suis en compagnie du très cher... Captain Musoïd. Coucou. Salut à toi, comment vas-tu, top là ? Super. J'ai t'attends de te voir, il y a un décalage de 2 secondes. Rétro Bazook, c'est avant tout la chaîne de la maturité. Oui. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on va vous présenter... Des jeux, parce que les jeux, eh bien, c'est bien. Ça aide à devenir mature, voilà. À devenir un homme, et assumer ses responsabilités avant tout. Ludique. Voilà. Ludique et professionnel avant tout. Hein, voilà. C'est un peu la thématique de la chaîne. Comment devenir des bonhommes ? Alors, on va parler de jeux. De jeux. Mais pas de console, on va parler de jeux de sur. De sur. De jeux de sur PC. Alors, mon très cher capitaine Musoïd, comment vas-tu ? Bah, ça va. Ça impeccable. Fait fort longtemps que ça je ne t'avais point vu. Ouais, ouais. Depuis le week-end des Chineurs, en fait. C'est ça. Et voilà. Et puis entre temps, bah, quelques rentrées, pas énormes, parce que beaucoup de travail. Là, j'arrive un petit peu dans la saison creuse niveau boulot, donc je vais avoir un peu plus le temps de trouver quelques trucs. Mais quand même, j'ai réussi à dégoûter. Pas énorme, quand même des big box. Hein. Des big box, c'est vrai que big box, tout de suite avec le volume, ça paraît plus. C'est énorme. C'est ça qu'on aime bien aussi, c'est le côté volumineux des big box. C'est ça. Aujourd'hui, on a rétréci de plus en plus les petits CD, machin, et maintenant c'est totalement dématérialisé, on n'a même plus palpé grand-chose, c'est pour ça qu'on est très content de... Enfin, moi, en tout cas, j'adore les big box. C'est énorme au sens le plus efficace du terme, le plus rabelaisien, c'est pas énorme dans le côté lourd, c'est énorme au niveau de la réalité. D'accord, retrouver cette nostalgie du vieux PC de quand j'étais gamin, quand je bidouillais sur mon Windows 95, puis 98. Tout à fait. Ce que je te propose pour qu'on t'entende mieux, c'est qu'on fasse une téléportation. D'accord, alors vas-y. Et voilà, maintenant on va pouvoir t'entendre parfaitement mieux. Allô, ici la Terre. Parfait. Donc on parlait de big box, de vieux PC. Alors il faut savoir que ce qui est intéressant, c'est que les big box c'était exclusivement sur PC, il me semble. PC, peut-être. Mac, micro-ordinateur hein, d'une manière générale. Ouais. Je crois même qu'il y avait genre des disquettes qui étaient à la fois compatibles Amiga, IBM PC et ouais. Apple, il me Après, semble. Après ça hein. C'est un peu trop vieux pour moi. Moi je suis plutôt génération Windows 95-98. Et donc j'ai récolté ces jeux. Alors la machine que j'utilise pour faire tourner tout ça, c'est, j'en parlerai peut-être plus en détail dans une autre vidéo, mais c'est un PC fin des années 90 qui permet de faire tourner pas mal de choses. Voilà. D'accord, très bien. Et du coup, bon, bah, là on voit plein de belles choses. Ouais. Est-ce que tu veux m'en parler plus en détail du coup ? Alors, c'est des choses que j'ai trouvées. Alors, on parlait souvent des puces, des magasins comme les caches, mais ce dont on parle pas souvent, c'est les magasins type recyclerie ou Emmaüs, des trucs comme ça. Et des fois, on peut dégoter des choses pas mal, pas trop chères. Donc, j'ai trouvé ça. Il y avait plein de big box dispatchés, rayon jeu. Rayon livre, rayon DVD, rayon électro, et puis c'était entre 3 et 5 euros, et donc je me suis fait un peu plaisir. Que veux-tu Alors, présenter en premier ? Bah, je vais commencer par ce que je ne connais pas. Vas-y. Genesia CD, parce que en fait c'est une version qui est sortie après, au départ c'était des disquettes, donc là ils ont fait une big box avec un CD à l'intérieur. Je crois que c'est un jeu de gestion, on doit bâtir un petit peu la civilisation dans un monde un peu futuriste, mais... Je le connais pas plus que ça. C'est Microïd du coup qui fait ça ? Ouais, une boîte qui a coulé je crois depuis. Ah non ? Non ? C'est fait racheter, voilà. Voilà, l'intérieur est assez light. Hein, c'est assez light, peut-être qu'il y avait des trucs en plus à l'origine, je sais pas si c'est complet. On voit une notice. Ah c'est à l'ancienne. Hein. Alors, Pandemonium, c'est un jeu que tu connais mieux que moi je pense. Ah ouais, ben alors moi du coup j'y jouais chez mon frère qui l'avait sur son PC. J'essaierai ça. Voilà, il y a le petit support en carton. Le petit insert, ouais. Le petit insert. Ensuite on a Soul River, donc Legacy of Kain, un jeu de la série... Des Legacy of Kain, voilà. Excellent, d'ailleurs je sais pas si t'as essayé le premier. Moi je l'ai essayé très récemment. C'est un jeu en 2D, un peu un Diablo-like. Vu de dessus. Non, et j'ai trouvé ne connais ça pas. Excellent. Ben, on le testera à l'occasion. Tu ouais. Alors c'est un jeu que je possédais déjà sur PlayStation.
toujours un insert très classe. Un peu comme toutes les boîtes, comme toutes les big box Eidos, il me semble. Les Tomb Raider aussi sont un peu dans le même genre, je crois. Pourtant, la box reste très très jolie. Ouais. Les big box, ça avait de la gueule hein, quand même. Regardez-moi cette police dorée qui ressort. Ça brille. Phantasmagoria. Ouais. Donc un jeu Syrah que j'ai connu à l'époque aussi, mais j'étais trop petit, ça me faisait peur, j'y jouais pas du tout. Le chat a failli tout faire tomber, mais c'est pas grave. Le chat qui embête, évidemment, il a posé sa petite crotte de nez sur le coin de la boîte. Ouais, Phantasmagoria, un jeu que je ne connaissais pas non plus, mais quand il y a écrit Syrah dessus, en général je prends parce que c'est plutôt gage de qualité. Ah, c'est bien vrai, Syrah c'est d'excellents souvenirs. Oh non. En sortant, vous voyez le soleil se lever à l'est. En regardant votre montre, vous réalisez la terrible vérité. Ta nuit dans le monde de Syrah est finie, et, techniquement parlant, tu es toujours. 1. Puceau. Par contre, il y a beaucoup de CD, je crois qu'il y en a 7. Ouais, on voit qu'il y a deux boîtes, et dedans... Les vieilles pubs. Des vieilles pubs. C'est quoi que tu pouvais gagner, une carte graphique? Un lecteur DVD. Ah ouais, super. Une carte son, avec un truc de jazz. Ok. Voilà. Vous voyez les fausses taches de sang imprimées. Dessous, le danger guette. C'est sûr qu'il prenait pas du vrai sang et qu'il... Ah, peut-être que c'était le sang des stagiaires. Ouais. Aussi. Voilà pour Phantasmagoria. Est-il besoin de le présenter? Oui. Oui. Quand même, parce qu'il commence à dater, hein, mine de rien. Ouais, ouais. Mais en plus, là, c'est plutôt raccord avec l'actualité, puisqu'il y a le 3 qui va pas tarder à sortir, qui est en accès... Early Access, on dit que Baldur's Gate, ben, c'est un peu légendaire quand même. C'est vraiment ce qui a démocratisé, ce qui a posé les bases. Avant ça, on avait les versions papier. Et là, en suivant les règles de Donjons et Dragons, on a eu un jeu extraordinaire, ouais. Avec beaucoup de possibilités, d'évolution des personnages très très personnalisés. C'était vraiment super poussé. Ouais. Des personnages uniques. Il y a des cartes, des... On voit déjà, regardez-moi cette notice. Je pense que c'est une des plus belles box de ton lot, là, pour le coup. Ouais. C'est une des plus classes. Regardez-moi déjà, la notice, elle fait bien 150 pages. Donc 160 pages de notice. Dedans, vous avez évidemment les contrôles, les trucs un peu classiques, les sorts, mais aussi les histoires de l'univers, les personnages principaux de Faerûn. Et puis les règles surtout qui sont quand même très très velues. C'est ça, donc vous voyez que c'est encore entre le jeu vidéo et le jeu de rôle sur papier. Ouais. Après il y en a eu d'autres avant, hein, des jeux Donjons et Dragons en jeu vidéo. Ouais, mais ils étaient pas aussi poussés que Baldur's Gate. C'est vraiment Baldur's Gate qui a démocratisé, comme tu disais, le truc. Et après on a eu aussi quand même Neverwinter Nights qui était quand même... Oui, bah, c'est la suite spirituelle, hein, de Baldur's Gate, de toute manière. Qui a beaucoup de succès. Dans le même univers. Là on voit les 6 CD, donc les 5 CD de base plus le CD d'extension. Des écoles de magie... Enfin voilà, là c'est la notice de l'extension. Rien que la notice de l'extension, ça doit bien faire 40 pages. Une carte, ça c'est classe. Et c'est l'avantage des big box, parce que dans un petit boîtier, tu peux pas mettre autant de choses. Alors, regardez-moi ça. Si stylé quand même. Regardez-moi cette map, si elle est pas magnifique. Ouais, la carte de la ville de Baldur's Gate. Et au dos, on a la carte du monde. Avec les différentes régions. Ouais. Ça c'est stylé, ça j'adore. La côte des épées, ouais. Dans l'univers de Faerûn. Et elle est hyper bien conservée pour le coup, je crois qu'elle est pas trop sortie de la boîte. Donc, nickel. Très belle boîte. Très bel item les amis. Et on n'a pas trop parlé de prix, est-ce que tu peux nous en dire plus? Parce que on sait pas trop en fait. Il y a peu de gens qui connaissent encore les big box. Ouais.
Ah, il y en a quand même, mais là, je pense que 5 euros, c'est un bon prix quand même. 5 euros, c'est vraiment un bon prix. En fait, c'est, voilà, c'est encore une partie du rétro gaming où il n'y a pas encore trop de demandes par rapport à ce qu'on trouve. Il y a quand même des jeux très cotés. Ça commence à monter, les prix commencent à monter pour certaines pièces. Ouais, ça sur eBay, c'est dans les 20 balles, ça part, je pense. Mais voilà, on est encore à une époque où c'est possible de trouver ce genre d'item à moins de 5 euros. Dans quelques années, ça sera peut-être plus le cas, je pense. Donc voilà, nous, on aime ça déjà depuis quelques temps. Et c'est, ça devient de plus en plus rare, donc dès qu'on en trouve, on saute sur l'occasion, c'est bien évidemment. C'est vrai que moi, quand je me suis mis à la big box, ça m'a donné. Enfin, j'ai acheté quelques big box, puis après, j'ai acheté un PC rétro, j'ai trouvé une belle opportunité. Et vraiment, je me suis régalé à monter mon PC, à installer les jeux, à retrouver les sensations de l'époque. C'est vraiment un gros kiff dans ma collection à moi, dans ma vision à moi du rétro gaming. Alors la suite directe du premier Baldur's Gate, qui n'est autre que le Baldur's Gate 2, Shadows of Ham. Et donc celui-là, encore plus prestigieux que le premier, hein, pour beaucoup, la référence encore aujourd'hui en matière de jeux de rôle sur PC. Ah, elle est belle cette boîte. C'est pas mal ça déjà. Une belle illustration. Ben, ça me fait penser un petit peu à ce qu'a fait Blizzard par la suite avec ses boîtes de Diablo et compagnie. Mais alors que là on est quand même des décennies avant quoi. Ouais. Donc c'est pas mal du tout hein. Niveau packaging. Je sais pas s'il y a eu des add-ons après, des extensions à ce jeu. Il y en a eu un, ouais. Une extension. D'accord, parce que là, elle a pas l'air intégrée au pack. On voit là le packaging qui ressemble un petit peu au premier Baldur's Gate, à savoir une notice, cette fois un peu plus compacte, mais qui fait encore dans les 150 pages, avec une police d'écriture plus petite, un peu moins d'illustrations. Et c'est toujours très très complet, du coup. A few moments later. Désolé, j'ai fait tomber la boîte comme un saligo. Bouh. Donc voilà, les CD, bon, rien de bien particulier. Un catalogue interactif Virgil. Donc avec toutes les sorties PlayStation, Dreamcast, PC, CD-ROM, PlayStation 2 et Game Boy Color. Une démo, Icewind Dale. Démo de Icewind Dale. Et évidemment, une nouvelle map, excellent. Cette fois, c'est plus du recto verso. On n'a plus que du recto. Mais encore une fois, très sympa. Ouais. Hop là. Tour de magie. Là, j'hésite à les encadrer et les mettre sur le mur de... Ah bah ouais, ça peut faire une déco stylée, ça. Hein. Ah mais non, je dis des conneries, j'ai plus de place sur mes murs. Sur le plafond, c'est le à plafond, la limite. Ouais. Alors ça, c'est une belle pièce. Quoi. Moi, je suis fan vraiment de cette série. Bah, on est tous les deux fans de la série des XCOM. Hein, enfin, moi, j'ai pas connu les vieux, donc du coup, pardon. C'est l'occasion de m'y mettre. Donc XCOM 1, XCOM 2, avec toutes les extensions qui s'en suivent, je trouve que c'est l'un de mes jeux préférés. J'y joue des heures et des heures. Et on m'a dit, ouais, t'es pas un vrai, faut jouer au vieux et tout ça. Donc là, c'est l'occasion. Donc ça, c'est le troisième de la série XCOM Apocalypse. Je crois que ça se passe dans une ville. Il faut protéger une ville, gérer les différents bâtiments, tout ça. Ça a l'air hyper complexe. Il y a une notice à l'intérieur, elle fait la taille de la Bible. Donc voilà, une belle pièce qui est assez cotée aussi, je pense. Voilà, on peut voir que c'est un jeu Microprose qui était un des géants des jeux sur PC de l'époque aussi. Ouais. Et donc, ça, c'est une version qui vient d'Amérique. Et c'est un ESRB 13+. Donc ça, c'était typiquement américain, le 13 en plus. Ouais. Wouah, il y a une énorme notice. Elle est vraiment monstrueuse. Ah ouais, celle-là, elle pète les records. Donc, une grosse notice qui fait... Pouli. On dirait la notice 200... de l'Amstrad CPC, dis donc. C'est... 212 pages. 212 pages, ouais. Punaise. Il n'y a qu'une seule langue, hein. C'est que en anglais. Et le CD, tu l'as dans ton PC? Le CD, il est dans mon PC, ouais, malheureusement. Et puis, il y a un manuel plus petit pour les débutants, pour vraiment les bases pour débuter, le Rookie's Guide. Wow.
Voilà, on peut voir. Donc ça c'est la notice vraiment avancée. Et puis la petite notice pour les débutants. Et aussi donc la petite facture. Jean-Michel Dupré, on va l'appeler. Voilà. Ouais. Donc ouais, de belles pièces bien conservées, de très belles pièces pour la collection et même pour y jouer, parce que tu t'es fait un ordinateur spécialement c'est pour ça. Ce type de jeu, mais j'imagine que tu en reparleras prochainement dans une autre vidéo. Si tu veux, je peux te dresser un petit topo vite fait, mais voilà, c'est comme je disais, c'est un PC, c'est un Dell Optilex, je sais plus comment on dit, GX150. Et qui avait vraiment une config avec le Pentium 3 cadencé à 1 GHz. Enfin, à l'époque, on disait 1000 MHz parce que le GHz, on n'employait pas encore trop ce terme-là, je crois. 256 MO de RAM. Et puis, j'ai rajouté une TNT 2, qui est un excellent rapport qualité-prix, je trouve, aujourd'hui. Parce que, par exemple, les Voodoo 3 coûtent très cher. Donc là, on parle vraiment de la gamme de hardware pour les jeux fin Windows 98. Ouais, puis début d'une, par exemple, il fait tourner très bien Neverwinter Nights, qui était sorti en 2001, je crois, ouais. 2002. Donc ouais, un PC très correct pour faire pour la plupart des big box. Mais jusqu'à présent, j'ai réussi à faire tourner tous mes jeux sur big box, sauf, alors je les ai pas tous essayés, ceux qui sont là, j'ai essayé, ceux que je viens de rentrer, j'ai essayé d'installer que le XCOM. Et j'ai quelques soucis, donc il va falloir que je creuse un petit peu ça, mais ça fait partie du processus, du plaisir, voilà. Et quand on arrive à faire marcher un jeu qui est un petit peu récalcitrant, ben on est content à la fin. Et je pense que c'est ça qui rebute aussi certains collectionneurs. Peut-être. Avec le PC, c'est que c'est pas aussi simple de jouer aux jeux PC de l'époque, parce qu'ils ont tous des particularités. C'est ça. Et ils ne tournent pas sur toutes les cartes graphiques. C'est ou vrai. Alors il faut des patchs, il faut. Ou alors il faut plusieurs machines, plusieurs voilà. graphiques différentes. C'est toujours un peu casse-tête pour installer son jeu. Pas mais toujours, nous, mais dans la grande majorité. Nous, on est des bricoleurs et c'est notre kiff aussi de se creuser un peu la soupière pour faire marcher des trucs. On peut le faire comme Bob le bricoleur et l'équipe. Ok, voilà. Bah, très bien. Donc, bah, c'était merci de m'avoir parlé avec, un petit peu de tes dernières trouvailles et des big box. C'est vrai qu'on n'en parle pas souvent, et pourtant ce sont de belles pièces et je trouve que ça vaut le coup ouais, d'œil. Ça... Je trouve ça très classe dans une collecte. Ouais. Voilà. Bah, puis c'est des couleurs, c'est un volume particulier, ça a une petite saveur que ouais. moi je kiffe particulièrement. Il n'y a pas beaucoup de collectionneurs. Il y a Metal Jesus Rocks, je crois, ouais, qui en a j'adore. Pas mal. Alors c'est en anglais, c'est un américain qui, je trouve, qui fait découvrir de très belles choses, même sur console, tous ces hidden gems et tout ça, c'est très intéressant d'aller jeter un coup d'œil. Ouais. Et puis lui, c'est un gros collectionneur de Big Box. C'est un mec qui partage très bien sa passion, ouais. Et qui fait découvrir de belles choses et qui a de bonnes idées pour le rétro gaming aussi. Bah écoute, on va se quitter. Ouais, ça on marche. Fait une petite fusion pour la fin. Allez. Fusion. Merci les amis, merci d'avoir regardé cette émission, c'était vraiment génial. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de vous abonner et de lâcher un pouce bleu, ça fera plaisir à Retro Bazook et à moi-même, le capitaine Musoïde. Ciao, bisous.